Pierre Lambert, ta dernière heure est arrivée. Rends compte de tes fautes aux mortels. Qu'est-ce qui se passe? Ça va faire. Allez, debout! Oh. J'ai une super idée. Marie-Lou, je me suis couché à 4 heures du matin et j'ai mal à la tête. Laisse-moi dormir. Ah, sûrement pas. Avec ce qui trotte dans le subconscient, je te prends en main, mon bonhomme. Laisse-moi donc tranquille. Tu vois que t'as besoin de moi, t'as pas le moral. T'inquiète pas, les causes désespérées, c'est ma spécialité. Ah non, t'es en train de te détraquer complètement. Laisse-toi faire. Arrête, là, tu me donnes la mal de mer. Tu trouves pas après ce qui s'est passé, le mieux qui pourrait m'arriver, c'est que tu me laisses tranquille. Je t'aime bien, Marie-Lou, mais là, sac ton camp! Je veux voir personne, c'est clair? Allez, viens. Quand j'en aurai fini avec toi, tu vas retrouver toute ton énergie positive. Allez! Arrête, Marie-Lou, tu m'étourdis. Tu sais comment ça se règle d'habitude, ces affaires-là? 6 mois d'aller mineur ou bien un échange. Bon, tu mets ça ou alors j'enlève le mien? Je crois que tu fais mieux de t'habiller, hein. Je veux pas me retrouver dans les mineurs, puis je veux pas rebondir à Pittsburgh, tu comprends? Je veux pas! Écoute, t'iras ni à Pittsburgh ni ailleurs. Si tu fais comme je te dis. Recevez-moi, acceptez-moi, et intervenez en moi pour enlever tout ce qui n'est pas en harmonie avec le principe universel. La vie, c'est de la merde. Pour l'amour qui guérit. La sagesse qui éclaire, la vérité qui libère. Je peux rien que bon retourner sur la livraison de Chip. Là, t'es content, là, hein? Tu vas pouvoir dire que t'as fait monter le tirage du journal. Je suis là pour ça. Tu vas avoir un bonus à la fin de l'année. J'ai pas de syndicat qui me protège, moi. En fin de compte, t'es prêt à marcher sur la tête pour faire avancer ta carrière? T'as fait ta job, j'ai fait la mienne. Comment tu penses que je vais pouvoir continuer à couvrir le national, moi? T'imagines-tu ce que ça va être quand je vais rentrer dans le vestiaire tout à l'heure? T'es pas assez tough pour faire la job pour se crayon à quelqu'un d'autre? C'est pas une question d'être tough. C'est une question de voir plus loin que le bout de son nez. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis myope, je suis obligé de me coller sur les événements. Mais quand ça commence à sentir trop fort, monsieur s'enferme dans son bureau. Je te l'ai dit, Linda. T'es pas capable de continuer. On va envoyer quelqu'un d'autre. Un gars. Ben, c'est justement pourquoi je continue. Pour t'empêcher d'envoyer un autre gars. T'es obligé de donner le national en garantie. Je te l'ai dit, ça! Tu m'aides pas, Gilles. Je t'avais demandé pour t'arranger pour que ça marche. Es-tu capable de mener le club, oui ou non? Lambert Mercier est en train de le causer. I want Lambert traded and fast! Dû l'échapper. Tu vas en avoir besoin. Où? Puis quand? Marc, voilà ta meilleure. Linda, j'ai des bonnes nouvelles à t'annoncer. Le jeune, il t'a pas tout dit. Il y a un grand amour dans la vie de Marc. C'est plus les femmes. C'est Nounou. Ah, ferme-nous ta gueule, Champagne. Hey, t'as du front en tabarnak de mettre les pieds ici, toi. Les journalistes ont accès au vestiaire. T'appelles ça journaliste, toi? Hein? Toi pis ta grande face de lesbienne. Qu'est-ce qu'il y a? T'es rendu au petit gars? Hein? Parce qu'on peut pas appeler ça un homme. Tu sais que tu l'as amené pour le faire parler de même, dans ton lit? Continue, Gagnon. Continue, puis je te traîne devant les tribunaux. Asti, que tu m'écœures.
On va OK, les gars, là, cette affaire-là est finie. Linda a juste fait sa job, puis c'est tout. Abri? Someday, somehow, she'll pay for this. Watch it, Mac. She has her eye out for you, too. Nous. Si je vois ça. Pat est pas raisonnable. J'adore ce que tu viens de faire. Sois sur la glace. Pas d'hockey pour toi. Les docteurs l'ont dit, c'est pas bon pour ton cœur. Docteur, lui, c'est pas que. J'ai l'envers, c'est quasiment mon jambe. Mesdames, messieurs, accueillons le National. Alors regarde bien si tu ne sois pas une ovation. En effet, et qui plus est, la brillante performance de Marc Gagnon ce soir... Alors, vous en sortez? Ça, c'est vos beaux pulls, hein, Tatiana? C'est vous qui les avez faits. Je l'ai ici. Ça va pas, mon bonhomme? Un Lambert qui bondit pas de joie quand le National marque un but? Tu ne dois pas supporter les problèmes de Pierre. Ah, oh, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est, là? Tu veux pas me le dire? Il n'y a rien. Jouer comme ça, ça se peut pas. Qui ça? Mac, voyons donc. Oh, il dirait qu'il joue mieux quand Pierre est pas là. Ça t'inquiète pas, ce qui arrive à ton frère? Il est assez grave pour savoir ce qu'il fait. Ah, pousse-toi l'envers. Travaille. Je viens de partir, ça fait 3 minutes. Tu savais que je n'avais retrouvé? Pierre, Marie fait bien ce qu'elle veut. Partir avec un autre gars? C'est ça? Ben, dis-moi, les Suzy, je ne fais pas un drame. C'est un ami. Il n'y a rien, là. Toi, t'attends quelqu'un? Pas Marc Gagnon, au moins. Oui, Marc. On s'en va souper. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Arrête de me regarder comme si j'avais le sida. Tu te fais exprès. Faudrait peut-être que je paye le champagne. Pierre Lambert, si t'étais pas mon frère, tu mangerais ma claque d'en face. Tu t'es jamais demandé si t'avais un peu de tort dans vos histoires de vedette. Marc Gagnon, c'est un vieux de 33 ans. Toi, t'en as 18. T'es assez intelligent pour savoir tout ce qu'il veut, c'est de te baiser. Des filles comme toi, combien tu penses qu'il y en a sur la route, Marc? Si tu veux savoir, Marc m'a jamais même touché. C'est un homme, lui, capable de voir autre chose que le cul d'une fille. T'as des croûtes à manger avant de comprendre ce que c'est qu'un homme. Pas surprenant que Marie-Lou t'ait pas attendu. Comment ça finit hier soir? Oh,
Le National a perdu, mais papa va être de bonne humeur quand même. On a tellement des bonnes nouvelles à lui annoncer. Hello! Tiens, coach, prends une bonne gorgée de café, puis regarde bien. À faire ça. La semaine dernière. Et le docteur Robert dit que ça ne fait que commencer. Tu vois qu'il faut jamais lâcher. So, how are your millionaires? You know, I was wondering if you'd be sending Lambert to the miners. Non, ça va pas assez proche, mais il y a trop de talent pour se retrouver dans les mineurs. Il faut juste que j'arrive à casser son petit caractère. Said bad things about you. Oui, ça, il est bien fort pour parler, Jimmy. Il va falloir qu'il arrête de parler, puis qu'il apprenne à écouter. Hein? Tu vas être capable de se tenir debout tout seul, lui aussi. Avant, j'avais Marc Gagnon sur le dos. Maintenant, c'est tout le club. Avec Aubry, Mercier, Guilbeault. Puis Goldman par-dessus, ça commence à être lourd en sacrement. Ça fait 10 jours que ça dure. S'ils veulent plus me faire jouer, qu'ils m'échangent. Il y a longtemps que ce serait fait si tu tenais pas à toi. Je suis plus capable de mettre les pieds dans la vestiaire. Comprends-tu ça? Je m'étais pas senti comme ça depuis que je suis rentré à l'école en première année. Si ça continue, je monte dans le bureau de Guilbeault, ça donnera ce que ça donnera. Surtout pas. T'as rien qu'une chose à faire, Pierre Lambert. Prends ton trou. Je suis pas faite exprès. C'est pareil comme ton frère. Deux maudits traîtres. Salut, Pierre. J'ai parlé à Jacques Mercier. T'as bonne chance de recommencer à jouer très bientôt. Tu vas peut-être être un peu rouillé. Hmm? Pierre, cette histoire-là est vieille de 2 semaines. Bon, ben, si tu veux continuer de bouder... Tu devrais y donner une chance à elle aussi. Ben, tu te sentirais bien mieux. OK. As-tu mangé? Hey, Top Cat, how about a beer? I'm meeting some of my friends at Gino's. You mean it? Of course I mean it. Get your ass in gear. Ah ben, excuse-moi de curer. Je vais aller prendre une bière avec Big Mac. Juste au bien. Il n'a pas été à l'école cet après-midi. Non, je ne sais pas. La police? Tu crois? Non. Non, non, c'est la première fois. Tu sais bien comme il est responsable. Oh oui, ça me rassurerait. Merci. Albert, tu tardes pas trop, hein? Pierre, I love you, man. But you sing like a goddamn cow. Na 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 na. Na 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 na. Hey, hey, hey. Goodbye. Hey, hey. Toi, là, t'es Pierre Lambert, hein, c'est ça? Oui, monsieur. Écoute, moi, je parle pas le régler.
Tu peux-tu dire à Mac que c'est mon idole, hein? What did he say? Is that son of a bitch making fun of me? Mac, he says you're a better singer than a fighter. You tell the little jerk that I'm ready to kick his ass right now! Just one word out of him and he's dead! Qu'est-ce qu'il dit? Mac, fais dire qu'il apprécie ton compliment. Puis que si tu veux un autographe, t'as rien qu'à dire yes puis faire signe avec ta tête. What? Yes, yes! And you're still making fun of me, eh? Yes, yes! Well, take that! Come on, get up so I can knock you down again! Robert, un service à te demander. Ben oui, comme l'année passée, chez Gino's. Templeton, avec Lambert. Je ne sais pas, là, tout ce que je peux te dire, c'est que ça a l'air que Templeton a joué un client à Gino's. Lambert, on se comprend bien, là. Pas de poursuite. C'est clair? C'est beau, mon gars. Faites un nouveau partisan, c'est du vrai, Morin. Ah, ben, Martin, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Mike pis moi, on est rendus deux chums, hein, Mike? Mike, c'est tout un homme, hein? Il m'a donné juste une droite pis il t'attend comme une barre. Mais... Hey! J'ai hâte de dire ça à mes chums en chat, pis ils me créeront pas. À moins que mon œil en fait un petit peu plus, là, ça va être plus vrai. Hein, les gars? OK, Mac, Robert, vous zingons, y va. Vous ne pouvez pas laisser pourrir un talent comme Lambert. Je pensais qu'il avait compris ce filidou pour un bout de temps. Il n'a pas redit un traître mot. Non. Non, mais il est allé spectateur après chez Gino's avec Templeton. Il est obligé d'envoyer Martin chercher. Si tu veux régler le problème, fais-le donc jouer. La commission, mon petit Luc? Hein? Si tu veux sauver les meubles, dis donc de tenir le corps raide.
Sans ça, il va avoir une carrière bien, bien, bien courte. Oubliez pas, couvre-feu 11 heures ce soir. Salut, ah oui, vous avez un message. Il n'y a rien que moi qui peux lire les messages de Gaston. C'est de Mademoiselle Suzy Lambert. Elle sera ici vers 4 heures. Merci. Bonjour, Denis. On prend une petite demi-heure pour se parler? OK. Je me trouve que t'as l'air fatigué. Ah, oh, ouais, je suis fatigué. Oh, on a joué hier soir, fatigué à Pittsburgh un matin avant de prendre l'avion. C'est vrai que le vieux lion a plus 20 ans, hein? Mais voyons, Marc, c'est une blague. Je pense que je t'ai jamais trouvé aussi beau. Ah, ouais? Ah, ça va bien, mais... des fois, c'est dur. Là, les jeunes, là, c'est gros, pas agressif. Puis quand ils te frappent, là, ça fait mal, tu sais. Parle pas de même, Marc. T'as compté hier? Ouais. Non, j'ai le goût de parler. Tu devrais profiter, il paraît que c'est rare. Puis je te compte pas ça à toi. Qu'est-ce que je vais lui compter? À Nicole? C'est ta femme, Marc. Oh, Nicole, cette affaire-là, ça n'intéresse plus. Je dirais que j'ai peur avant de sauter sa glace à Boston. Je pense qu'elle me croirait pas. Faut dire que des fois, je suis dur à croire. Tu sais. Suzy, j'aimerais ça qu'on soit ensemble ce soir. Je veux dire, tout seul. Ah, viens, on va monter, on va se faire venir un souper, puis on va jaser, juste jaser, si tu veux. Je te jure que j'aimerais ça. Rester avec toi ce soir, Marc, c'est ce que je pense que je voudrais faire le plus au monde. Mais je peux pas. J'ai rendez-vous avec Denis. Son équipe joue à Rochester demain, puis il couche à Québec ce soir. Je le vois à 4 heures. Ouais, je comprends. Chef-tu, Marie-Lou, si t'avais mal à la tête comme moi? T'avais qu'à moins boire. T'es en train de bouleverser toutes tes ondes positives. Qu'est-ce que t'en sais? Je le sens. Allez, debout. Attends. Puis mon mal de tête, comment ça que tu te sens pas? Si t'étais pas aussi tendu, tu t'apercevrais que je suis en train de faire un transfert. Ah. On se finit. Ouais. Toi, t'as pas assez de décoration. Ta mère te manque? Je m'ennuie du hockey. Il n'y a rien de spécial entre Pierre Lambert puis moi. Je vois pas pourquoi tu reviens toujours là-dessus. On est deux gars de 20 ans. Quand on a quelque chose à se dire, on se le dit. Tu trouves pas la situation un peu injuste? Suzy! Tu connais Linda Hébert? Ça s'arrange pour qu'on la connaisse. Oh, moi aussi, je la connais. On a souvent eu l'occasion de la voir avec certains joueurs du National. Bon, allez, faut que j'aille. Merci, Denis. Ça va faire un bon papier. Bonne journée. C'est parce que ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Suzy, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que voulait dire Linda Hébert tantôt? Denis, t'as été mon premier.
t'aime encore. Mais pas comme tu voudrais. Toi puis moi, c'est fini. Tu vois, quand t'es pas là, tu me manques pas. Puis moi, ben le gars que j'aime, faut qu'il me manque. Parce qu'on était séparés depuis trop longtemps. Il y a un autre gars, hein? Dis-le. Sois franche, au moins. C'est qui? Qui? C'est personne. Mais à part de ça, tu comprendrais pas. Ouvre! Ouvre la porte, tu dis! Je vais te parler! C'est tout ce que j'ai, je veux pas te perdre! Ferme-moi, fille, ferme! Pierre et Suzy, je voudrais leur parler. Résidence du gourou Lambert. Passez-moi Pierre, s'il vous plaît. C'est ta mère. Allô, Romain, qu'est-ce qui se passe? Pierre, le père de Ginette vient de mourir. Pierre? Oui, Gino. T'es tout ce que j'ai maintenant. Tu sais, je suis pas tellement proche de ma mère. À 55 ans, il faut, on dirait qu'elle en a 80. Tu me laisseras pas, hein? Voyons donc, Gino. Pourquoi tu demandes ça? Tu vas t'en venir rester à Québec avec moi? Venez manger quelque chose, tous les deux. Oh, j'ai pas faim. De toute façon, ma mère va venir me chercher bientôt. Bob. OK, gang, deux tours, easy. Je voulais juste te demander quelque chose. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Lambert est pas là, qu'est-ce qu'il y a? C'est son capitaine, t'es pas son père, Bob. Contente-toi de sortir des bars, veux-tu? Mais ça, que si tu lui fichais la peine, il nous serait plus utile. Hey, Bob, mêle-toi de jouer. Moi, je coach. Pierre Lambert, tu sais, c'est une jeune recrue qui a besoin d'être mis à sa place. Tu sais, ça, ça fait partie de la game, voyons. Puis, je pense qu'on l'a habillé à Toronto samedi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bob! 5 tours de plus des autres, OK? Le dîner est prêt! Merci, Hugo. J'arrive du salon. C'était déjà reparti. Bonjour, Madame Letourneau. Bonjour. Mes sympathies. Ouais. Je suis contente de te voir. Moi aussi. J'aurais arrivé plus tôt, mais tu sais, les autobus, ça prend l'éternité.
T'aurais pu m'emmener. J'ai téléphoné à ton appartement. Ça répondait pas. J'ai même rappelé avant de monter sur l'autoroute. Toujours pas de réponse. T'étais pas en rentrée, il était minuit. Ça, l'heure que je rentre, c'est pas de tes oignons. C'est pas le moment, les enfants, hein? Thomas, mets-toi pas de ça. Non, mais c'est vrai, me lâche pas, c'est fréquent. Hey, il faut que j'entourne à Québec après le dîner. Mon pauvre grand. Ben, ça sera pas beaucoup vu. Est-ce que tu as essayé de parler à Mercier? Il veut rien savoir de moi. Mais Luc, qu'est-ce qu'il dit, Luc? De me taire. Bon, il y a des problèmes plus graves que les tiens. Ouais, je sais. Elle a besoin de toi. Je vais l'amener vivre avec moi à Québec. Et Marie-Lou? Elle est pas folle, tu sais. Ginette, c'est Ginette. Marie-Lou. Marie-Lou, c'est Marie-Lou. Pierre Lambert était absent ce matin. Il s'est toujours pas blessé durant la dernière partie. Non, le père de Sablon est mort hier. Maintenant que Rick Harvey est blessé, as-tu songé à faire jouer Lambert contre Toronto? Non, toujours besoin d'un bon joueur. Mais Lambert, c'est un bon joueur? Une question, ça, Linda? Ah, rentre, rentre, Gene. Bon, les gars, si vous avez d'autres questions, c'est Linda qui a réponse. T'as toutes tes réponses, Linda, hein? Pas toutes, Jacques, mais ça va aller. Merci. Merci. Le bras, c'est là, hein? On a du travail à faire. OK. Ça va, Richard? Bonsoir. Travaillez pas trop fort, les gars, là. C'est que Goldman est pas mal content. Ben, tant mieux pour lui. Tu sais, moi, Goldman. Non, parle pas comme ça, Jacques. Goldman, c'est l'argent. Toi, les joueurs, moi, le club. C'est une bonne combinaison. On est juste à 3 points de la première position. Bon. Les fleurs. Le poster. Pierre Lambert. Le public commence à crier. On se prive d'un bon joueur. Bon, mais tu vas te contenter, Gilles. Lambert, il revient au jeu demain soir contre Toronto. Parce que c'est le temps, puis parce que c'est moi qui l'ai décidé. Je vous remercie bien gros pour tout ce que vous avez fait pour nous autres. Vous êtes quasiment une deuxième mère pour cet enfant-là. C'est la moindre des choses. Mais Ginette, viens-t'en. Minute, maman. Je sais que c'est pas le temps, mais il faut que je parte de mon côté. Il faut qu'on en parle. Écoute, on va s'occuper de mon père d'abord, puis après ça, on pensera à nous. Quand est-ce que tu veux qu'on se parle? T'es à Shawinigan, puis moi à Québec. Il faut que j'en parle à ma mère. Pourquoi t'es si pressé? Parce que ça va trop vite, justement. Tout va trop vite. Si t'aimes mieux, on en reparlera. Hein? Tu descends avec moi ou tu restes ici? Ah, décide, je suis pressé. Avec ta face de bœuf, j'aime mieux prendre l'autobus demain matin. Comme ça, Marie-Lou va être seule à soir. Allez, bon voyage, mon grand. Sois prudent pour une fois. Marie-Lou, c'est le nouveau couturier de Pierre, ça? Bonjour, ça va bien? Oh, très bien, et toi? Très bien, merci. Bonjour, Marcel. As-tu réussi à la faire? Non, mais je suis sortie pas d'ici avant. C'est la reine, toi, non? Okay. T'es en forme? Ça va bien. OK. On y va. Tu soulèves la jambe. Allez. Allez, soulève. Allez, vas-y. Oui, monsieur. Bravo! C'est mieux? Beaucoup mieux. Franchement, là, ça sent bien. Allez, allez. Tu t'en viens vers moi. Voilà. Encore un peu. On descend. On va là-dessus, on va réchauffer ça. Très, très doucement, oui. Allez. Étends bien. Ça tire bien tes orteils. Touche-moi pas! T'es à pic aujourd'hui. Je suis pas tes joueurs, moi. Qu'est-ce qu'ils ont, mes joueurs? Eux autres, tu fais qu'est-ce que tu veux avec. Tu veux parler de Marc Gagnon, là? Lambert aussi. Vas-tu le laisser encore longtemps sur le banc?
Écoute, imagine que... Imagine qu'une équipe de hockey, là, c'est comme le corps humain. Hein? Chaque joueur, c'est un membre. Un bras, une jambe, la tête, toutes les fonctions. Puis ce corps-là, il faut qu'il marche ensemble. Hein? Mm-hmm. Bon. Quand tu laisses un joueur sur le bout du banc, là, ça lui fait faire de l'exercice dans sa tête. Il faut qu'il trouve quoi faire pour sortir de là. Puis des fois, ça peut prendre bien du temps. Mais quand il est prêt, là, tu le laisses sauter sa glace, puis là, il fonctionne comme jamais. Fait qu'à la preuve, Marc Gagnon, par exemple. Tout le monde disait que c'était un joueur fini. Je l'ai laissé sur le bout du banc, puis depuis qu'il a recommencé à jouer, il fonctionne à 200%. Lambert, lui? Lambert, je suis en train de former son caractère. Tiens, par exemple, à quoi ça sert d'avoir deux jambes quand il y en a une qui court pas dans la même direction que l'autre? Lambert, je suis en train de l'intégrer à l'équipe. Je suis en train d'en faire un joueur d'équipe. Au travail, hein, si on veut battre Boston. T'aurais dû téléphoner. Pourquoi? Salut. On a de la visite. Avec ça? Pierre Lambert. Hey, wow! Quand c'est que t'as commencé à jouer? Toi, rentre dans ton trou parce que ça va aller mal. Non, ça m'intéresse. Je manque vraiment une partie à TV. Non, mon, s'il te plaît. La prochaine fois que je reviendrai ici, ça sera pour voir ma sœur. Bon, Normand, c'était très agréable, mais j'ai envie de rester seule. Dégage. Quelle heure qu'il est là? 6h20. Tu dors depuis 2h cette nuit. C'est pas mal. Maudite organisation. Il fait rouler toute la nuit juste pour sauver un motel. Toi, t'as pas dormi? Je suis pas capable dans un autobus. Mais coach, vas-tu sauver des motels demain toute la saison? Je t'offrerai pas. T'as encore rien vu. Tu sais, y a quelque chose qui marche pas depuis qu'on a couché à Québec. L'histoire de vache, encore. Tu fais foirer. Ouais. Si on peut dire. Ta blonde, Pierre. Elle prend pas ça trop mal, la mort de son père? Elle va passer à travail. Je voulais vous remercier pour la journée de congé. Écoute, tu remplaces Rick Harvey demain soir à Toronto. Hein? Au moins pour 2 semaines, je compte sur toi, comme au début de l'année. À part ça, fais donc comme tout le monde. Arrête de me dire vous. Certain, Jacques. Écoute, tu le regarderas pas. Je vais donner tout ce que j'ai. Tu le regarderas pas. Si t'avais lu le matin, tu l'aurais su en pleuvant. Qu'est-ce que tu fais, Suzy? Tu lis le même article depuis 10 minutes. J'étais dans la lune. La lune ou amoureuse. Tu peux me parler, tu sais. J'ai cassé avec Denis. Lui à Chicoutimi, moi à Québec, ça marchait plus. Et il y a un autre garçon dans ta vie. Ça serait tellement plus simple si c'était vraiment un garçon. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est plus vieux que moi. Il vient d'avoir 34 ans. Vous avez une 15aine d'années de différence. Oui, mais il est marié.
te dit que sa femme ne le comprend plus, qu'il n'est bien qu'avec toi, hein? Je sais plus, moi. Je suis toute mêlée. Puis Pierre qui arrête pas. Pierre le connaît? Oui, puis il est furieux. Mais pourquoi? Ça le regarde pas. Qui c'est cet homme mystérieux? Merci. Do you mind, please? I almost spilled my coffee. Excuse me, sir, but I didn't touch you. Are you okay? Oh, come on, Gary. T'as jamais vu si nerveux. Hein? Regarde tes mains. Tu trembles comme une feuille. I'm losing it. The game is getting to me. I can't sleep at night. I'll survive. The first one. On se relaxe. Oh, Linda! T'as sorti ta grande plume? C'est ça, les gars. Lambert avait connu un grand début de saison, foudroyant, et plusieurs voyaient en lui un nouveau Marc Gagnon. Champagne, t'es pas drôle. Tu en donnes pas mal, Linda. Qu'est-ce que tu vas faire s'il compte 5 buts demain soir? On va faire sa job comme d'habitude. C'est ça. Linda, je te promets une déclaration exclusive si je compte un but demain soir. Oh, les gars, avez-vous entendu ça? La grande scène de réconciliation. Bonne main d'applaudissements pour Linda Hébert, Pierre Lambert, ici. Come on, les gars, faites esprit. Je t'appelle du Maine. Je suis dans une cabine téléphonique. Comment ça va? Ça va. J'aurais aimé mieux que tu m'appelles pas tout de suite. Je voulais m'excuser pour l'autre soir. Pour t'avoir crié après. Tu m'as pas crié après, OK? Mais là, tu me laisses tranquille un bout de temps. Après, on verra. Suzy, maudit, donne-moi une chance. Ça peut pas finir comme ça. Laisse-moi tranquille, Denis. Tu le comprends-tu, ça? Je veux que tu me laisses tranquille. Hey, wait a sec. It's 10 to 12, okay? So nothing's gonna happen. Curfew time. It's gonna be good to see you in uniform. 10 minutes avant le couvre-feu. Messieurs, 10 minutes, c'est tout ce que ça va me prendre. Give me a break. Monsieur, regardez bien de pro. $100 en action. I'll watch you all the way, guy. Bring him back with you, Mr. Swab. Good evening, ladies. Hey. She's hot. Look who's coming, guys. Hey. You had a few too. Yep. A little too much. Oh! Le National! Mark, come here. You gotta tell me. Where do you find these women? How are you? Okay. Moi, j'ai une affaire, Steve. C'est peut-être pas le mien, mais tu veux le body? Hey, Lambert. Lambert. Mark, let it go, okay? Hey, Lambert, regarde-moi quand je te parle. Hey, t'es chanceux de pas être dans la même chambre que moi sur ce voyage-là, parce que t'as encore fait du corridor jusqu'à 6 heures du matin. Cœur-moi pas, Gagnon. Couche avec tes plottes, mais fiche-moi un peu. Hey, wow, wow, wow. Hey, sois poli, hein. Parle pas comme ça de Mademoiselle Belinda. Elle est aussi respectable que ta sœur, même si elle s'appelle pas Lambert. Et calls, Gagnon! Mark, look, why don't you relax, okay? You're hey, prends-toi pas pour un homme parce que le coach te fait jouer demain soir. Colle ton oreille sur le mur, puis tu vois comment qu'elle va râler à grande. Puis dis-toi bien que ta sœur est sur le bord de faire pareil. Tu compris ça? Le beau-frère! Lâchez-moi! Mark, are you all right? Lâchez-moi! Relax!